Oh, Sibi Johan, avec toi également, c'est aussi une polémique qui est née il y a de cela quelques temps, sur notamment les réseaux sociaux. En tout cas, on t'a attribué des propos négationnistes qui a fait un tollé général. Véritablement, tu n'étais pas beaucoup exprimé là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Merci, Garnett. Il faut dire que j'aime beaucoup la presse d'origine, c'est-à-dire que ceux qui ont fait l'école, ceux-là qui connaissent, ils savent ce qu'on appelle l'idéologie, qui n'attaque pas les gens et qui sont pas nuisibles. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, j'ai été traité de tous les noms. D'oiseau, comme on le dit. Comme quoi, Ossibi Joan a insulté la diaspora. J'aimerais inviter ceux qui nous écoutent. Il y a eu un moment dans qu'on dialogue. Mon intelligence même ne me permet pas d'insulter la diaspora. Quand on dit la diaspora, c'est comme le monde. Et quand on dit la diaspora burkinabé, ça dit que ce n'est pas sectionné. C'est immense. Et si on même on veut compter, si on veut compter la diaspora burkinabé, elle est même plus que les 17 millions à l'intérieur. Mon intelligence ne me permet pas d'insulter une diaspora. J'ai été au CENAZA, c'est un centre culturel du Burkina Faso, pour s'offusquer. On s'est fâché parce que dans ce pays, nous, les artistes burkinabés, on a été traîneux au pied. On se bat, mais sur le plan promotionnel, sauf quelques-uns qui nous font confiance, les gens pensent que c'est l'extérieur là qui est meilleur. Il y a eu des invitations qu'on appelle les monstres du coupé décalé, où on envoie trois grands musiciens de mon pays de naissance, mais au niveau de l'image, personne. Au Burkina, là, on a oublié tout le monde. Je me suis fâché. J'ai dit, ça, c'est pas normal. C'est pas une mise en valeur de l'art burkinabé. Il y a des grands qui viennent. Mais mettez des petits en bas. En Mori, on dit, Tikugul sonora kam, bengam pam, kam. Ça dit que le petit caillou, là, pour avoir l'huile, il faut qu'il vienne s'abriter aussi à côté du haricot. Ça, c'est pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc, dans l'analyse, je dis, bon, nous avons même un problème. Moi, en tant que fils de la diaspora, je trouve que il y a un problème avec certains diasporas. Allah, les gens, ceux qui voulaient me nuire dans ce poste-là, ont coupé cela. Je dis, il y a un problème avec certains diasporas. Et j'ai utilisé des mots durs, très durs. J'ai dit, certaines diasporas dont leur père et leur mère immigraient à la recherche de trois plats par jour, mangeant trois plats par jour, ils disent à leurs enfants que leur pays d'origine là est sans avenir, culturellement sans avenir, économiquement sans avenir. Mais quand ces enfants-là reviennent au pays, ils refusent de changer d'éducation et de penser que le Burkina Faso est un grand pays. Un pays culturellement riche, économiquement riche, mentalement riche. Et ça, c'est un problème. Alors, il faut changer et croire à ce qu'on est. J'ai fait une intervention de plus de 10 minutes. Mais sur Facebook, on coupe des trucs de quoi? C'est 15 secondes. Moi-même, j'ai lu. Même les soi-disant étaient coupés. Mais Dieu faisant les choses, si vous répartez, le soi-disant est sorti un peu. Mais quand les gens ont entendu diaspora, diaspora, moi, je suis diaspora. Monsieur Garnett, tu me connais très bien. J'ai connu mon pays dans les années 98. Définitivement, je vis ici en 2003. Pendant tout ce temps, j'étais où? En Côte d'Ivoire. Donc, je peux me permettre d'insulter
la diaspora, alors que mon papa et ma maman sont encore là-bas. Donc, mais je suivais un film sur la télévision nationale du Burkina Faso qui disait ceci, que seuls les lâches n'ont pas d'écartenue. Mais je ne suis pas un lâche. On peut me gratter, on peut me traiter de tous les noms, mais l'histoire va nous dire qu'aucun pays ne peut se développer en usurpant sa culture, en vendant sa culture. Tous les pays au monde se basent sur leur identité pour devenir ce qu'ils sont. C'était le message, croire en soi. Croire à ce que tu es là, tout en respectant les autres. C'est ça, le message. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on t'attribue, toi, tu ne te retrouves pas là-dedans. Non, mais pas du tout. Et quand je vais sur Facebook, je vais taire le nom d'une association là qui dit qu'il dépend de la diaspora, qui avait une publication sur Internet et m'ont incriminé, insulté. Moi, je lis le post. J'ai ri et à la fin, je pleure. Et je demande au Seigneur Tout-Puissant de pardonner ceux qui errent sans chercher à savoir ce que c'est que l'erre. Quand tu erres et tu ne cherches pas à savoir ce que c'est que l'erre, tu peux aussi pendre les gens sans les écouter. C'est la deuxième fois qu'une presse m'interroge sur le sujet. Mais lorsque vous, quand vous allez sur Google, quand vous allez sur Facebook, les commentaires fusent de partout. Voilà. Mais vous savez, moi je crois à mes ancêtres. Je crois à mon identité culturelle. Je crois à mon Burkina. Voilà pourquoi, très souvent, moi je me dis que je m'en sors souvent par mes croyances. Parce que je n'ai jamais lutté pour des intérêts personnels. Vous savez, le 16 mai, septembre, hein, le coup d'État, c'est quand déjà là? C'est septembre. Le 16 septembre, moi, à 16 heures déjà, j'étais à l'urgence de l'hôpital Yalardo. À 16 heures, moi, j'ai déjà, on finit avec moi. Mais je suis là, non? Je suis là encore, je parle. Donc, je rends grâce à mes ancêtres. Je rends grâce à la terre du Burkina Faso que j'aime et que je crois. Et je pense que tout Burkinabé qui croit que le Burkina est un leader, c'est ça l'idéologie. Il ne faut jamais penser que le Burkina est la queue. Nous ne sommes pas la queue d'une république. Nous sommes la tête de l'Afrique. Et tout Burkinabé qui ne sait pas qu'il est la tête du Burkina et de l'Afrique doit revoir sa copie. Merci beaucoup à tous d'être venus. Imaginez que vous remettez un revolver à une personne qui ne sait pas s'en servir. C'est la catastrophe assurée. Alors, confiez votre présence en ligne à un professionnel. Elite Communication. Les réseaux sociaux attirent de plus en plus de personnes sur Internet. Les entreprises doivent apprendre à s'en servir pour s'adresser à de nouvelles cibles. Ce nouveau canal de communication permet de renforcer la présence de votre société sur Internet, d'accroître votre nombre de clients et de recruter différemment vos futurs collaborateurs. Elite Communication, depuis 3 ans déjà, anime les réseaux sociaux au profit d'entreprises et de personnalités.
Alors, faites-nous confiance en nous confiant votre présence sur les réseaux sociaux. Élite Communication est située à Ouaga 2000, non loin du VIP Discothèque. Contact 70 65 65 00 ou Facebook/Élite Communication.